Bienvenue à vous dans ce flash spécial consacré à la nouvelle année et en ce jour de l'an. Eh bien, laissez-moi vous présenter de la part de toute la rédaction de Grand Lille TV tous nos voeux de bonheur pour 2013. Tout de suite le flash. Et pendant les fêtes, les plus démunis et les personnes isolées trouvent du réconfort auprès des associations. La solidarité s'organise plus que jamais. Les réveillons solidaires permettent de n'oublier personne. À Lille, les petits frères des pauvres ont organisé un repas de fin d'année intergénérationnel et interculturel. Au programme du couscous, mais aussi des rires, des chants, de la bonne humeur. Les bénévoles étaient aux côtés d'une trentaine de bénéficiaires. Écoutez justement ces bénéficiaires au micro de Mathilde Espinas. Ça fait beaucoup de choses parce que quand on n'a plus de famille, qu'on n'a plus ses enfants, plus rien, on se retrouve tout seul, ça fait chaud au cœur. Et heureusement qu'ils étaient là. Et nous aussi parce que ça nous permet d'avoir une famille. D'abord c'est pour moi. Pour moi parce que justement... Être seul tout le temps à la maison, c'est pas ça non plus. Et puis les fêtes, avant encore on essayait pour les enfants de faire quelque chose, mais maintenant seul, j'ai plus envie de me sentir seule, quoi. Et la magie des fêtes se passe aussi dans nos assiettes. Les restos le savent et vous concoctent des menus spéciaux. Direction un restaurant lillois qui propose des cuisines du monde. Ici, pour le réveillon, le programme a été exotique sur le thème du voyage. Plat asiatique, danseuse du ventre, ce restaurant a organisé un dîner-spectacle qui a rassemblé 150 couverts. Cette soirée du réveillon est l'une des plus importantes de l'année pour les restaurateurs. C'est une grosse soirée pour nous, sur laquelle on n'a pas évidemment pas le droit de se rater. C'est beaucoup de monde et ça clôture notre année. Comme tous les ans, on prépare une soirée dîner-spectacle. Donc avec au départ, sur notre thème du voyage, quatre plats, quatre destinations, quatre escales comme on veut. Chaque escale sera marquée donc, par un plat, une boisson et une animation. En général, ce sont plutôt des animations musicales ou dansantes. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, le menu de ce restaurant, une entrée asiatique avec crevettes, un dessert brésilien à base de crème de marron, un menu à 80 euros, démonstration devant nos caméras avec le boboon poulet crevettes. Et on va commencer par la préparation donc, des nouilles de riz. J'ai mis en chauffe déjà de l'eau. Voilà. Et là, on va les laisser comme ça pendant 5 grosses minutes. Maintenant, on va faire le poulet. On prend ici juste des blancs de poulet, tout simple, hein, taillés en petits cubes. On va rajouter également la sauce Nok Nam. Donc c'est une sauce à base de fumée de poisson. C'est une sauce également qu'on trouve dans les magasins asiatiques. On va rajouter également, en très petite quantité, c'est du piment thaïlandais. On va rajouter également du jus de citron. Et donc ça, on va le laisser mariner pendant 12 heures. On va pouvoir commencer le dressage. Donc deux feuilles de roquette. On va venir mettre des petites nouilles de riz au milieu sur l'assiette. Lesquelles on va venir déposer notre petite préparation de crudité concombre carotte. Notre petite préparation poulet gambas qui est prête. Ensuite notre mixture donc menthe, coriandre et cacahuète. Donc avec les germes de poireaux, jeunes pousses de poireaux appelées alfafa. Et voici le boboon poulet crevette. Profitez des illuminations pendant ces fêtes. La Rambla de l'île fantastique est piétonne le vendredi soir de 20h à 22h. Les piétons ont un total accès à la rue Fédère entre la gare Lille-Flandre et l'Opéra. À pied ou à vélo, c'est l'occasion d'admirer cette dentelle stellaire toute bleue avec ses 300 000 LED. Une œuvre artistique sur 200 mètres de long à voir jusqu'au 13 janvier. Des images signées Macha Grunessen. Et à présent, c'est eh bien une tradition, les bonnes résolutions de ce début d'année. Que ce soit arrêter de fumer, faire du sport, manger sainement, eh bien vous avez forcément de bonnes résolutions. Nous vous avons posé la question, écoutez. Alors, un régime, la santé,
Eh bien, 2013, me faire plaisir, penser à moi, penser à mes proches. Dépenser tous mes sous que je n'ai pas, dans un premier temps. Bonne résolution pour 2013. Être toujours souriante. Sur la tête fumée déjà. Et ensuite, je pense que c'est tout pour l'instant. Bien travailler à l'école ? Oui. Arrêter de fumer ? Oui. Non, se reposer. Se reposer, puis plein de bonnes choses. S'occuper des enfants. Ne plus retourner à Lille, il fait trop froid. Je retourne à Bastia, moi. Et en ce jour de l'an, on va terminer ce flash avec quelques messages de vœux pour cette nouvelle année de la part de l'équipe commerciale de Grand Lille TV. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour 2013. Au nom de toute l'équipe de Grand Lille TV, je vous souhaite une bonne année 2013. Pour vous, pour vos proches. Meilleurs vœux. Bonheur, santé. Amour, joie. Réussite, succès. Et convivialité. Bonheur inattendu. Emotion. Santé de fer. Savourez le quotidien. De belles surprises. Vibrez. Pour de beaux projets. Grand Lille TV, à consommer sans modération. Et c'est la fin de cette édition en spécial Nouvelle Année sur Grand Lille TV. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Ah non, mais attends, tu vas pas terminer le flash comme ça. Adrien, t'as parlé de l'audience ? Adrien, t'as parlé de la nouvelle zone de diffusion ? Ah non, mais je... Et puis on a des nouveaux rendez-vous. Et surtout un nouveau présentateur. Oh, comment ça ? Un nouveau présentateur. Voilà. Plus sexy, plus Grand Lille TV. Plus jeune, 2013. Plus jeune, peut-être, oui. Bonne année à tous. Très bonne année 2013. Bonne année.